l'occurrence, voici une metteur en scène qui vient nous parler de son spectacle Jeune Public. Les vacances commencent, ça peut être un très bon plan sortie à la Gaîté Montparnasse. Bonjour Caroline. Bonjour. Ernest et Célestine, à la base, c'est un film d'animation qui est sorti il y a quelques années au cinéma et qui avait fait un carton d'ailleurs. Et donc, il est adapté en spectacle, tous en scène. C'est une comédie musicale ? C'est une comédie théâtrale et musicale. On a voulu y associer du théâtre, de la musique et du chant. Ça se joue depuis le 12 octobre, donc c'est relativement récent. Comment ça se passe ? Écoutez, ça se passe très bien. Le public ressort heureux, les parents sont contents. Donc c'est important aussi, les enfants avec le sourire. Donc ça nous réchauffe le cœur et ça fait du bien. Alors pour celles et ceux qui ne se souviendraient pas de qui sont Ernest et Célestine, est-ce qu'on peut faire un bref synopsis, Caroline, un résumé ? Alors Ernest et Célestine, ils auront l'année prochaine 40 ans. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est un bouquin albums, à la base. Et oui, les premiers albums, livres ont été créés il y a 40 ans et puis adaptés, séries télé, films, expositions, ciné-concerts. Et là, enfin, le spectacle vivant qui est quand même l'art premier. On est ravis de les mettre sur scène. Et alors, on récapitule, hein, c'est un ours et une petite souris, Ernest et Célestine. Oui, un ours et une petite souris espiègle pleine d'énergie et Ernest, un ours qui rêve d'être violoniste et puis ensemble, ils ont plein d'idées et vont affronter plein d'aventures. Donc ça, ce sera parfait pour les vacances, pour occuper vos pitchouns qui pourront rêver à travers cette comédie théâtrale et musicale. On se donne rendez-vous donc tous les samedis et tous les dimanches à 11h. C'est pendant toutes les vacances scolaires. Merci Caroline d'être venue nous en parler. Caroline Magne qui est la metteur en scène donc d'Ernest et Célestine qui se joue à la Gaîté Montparnasse dans le 14e arrondissement de Paris. Si vous souhaitez vous y rendre en métro, la sortie c'est Edgar Quinet.